Oui, allô? Oui, venez vite, on vient de découvrir deux corps. Dépêchez-vous, c'est urgent. Oui, très bien, j'arrive, j'arrive. Chérie, j'y vais, une urgence. Oh, pas trop tard, Ah, mon bon Harry, j'ai faussé vite que j'ai pu. Merci, inspecteur, d'être arrivé aussi vite. Croyez-moi, je n'ai jamais rien vu d'aussi atroce de ma vie. De cadavre, c'est ça? Oui, exactement, c'est juste ici, regardez. Faites attention à la pente, elle est assez abrupte. Ne vous inquiétez pas. Merci. Ah, je vous en prie, une équipe est déjà sur les lieux. En effet. Bonjour. Messieurs, bonjour Juan, bonjour Jackie. Alors? J'avais vu un crime d'une telle intensité. Deux morts. C'est tout simple. Le premier, la fille, elle était là, elle a été projetée face à un vin sur la pierre. Plusieurs coups. Ça a été assez sauvage. Comme on peut en témoigner, le sang qui a coulé et qui a inondé toute la pierre et tout le côté. Ça a même traversé les marques. On voit qu'il y a plusieurs coups grâce aux différentes projections. Très différentes. Et pour l'autre? L'autre, c'est totalement différent. Le suspect était de face. La personne ne s'est pas défendue. On ne voit pas de marque, de bagarre. Là aussi, même mort. La tête contre une pierre. Assez abondant. Celui-là aussi s'est vidé de son sang. Il connaissait la personne, je pense. Hein. Et pour l'heure de la mort? L'heure de la mort. Au vu de la température des corps, on peut dire que c'est à peu près la même heure. Et... le sang, il a quand même commencé à coaguler, ça fait au moins 2 heures. Ouais, je vois. Pas beaucoup plus, hein, à l'odeur. Il doit pas être loin. Non, vraiment pas loin. Inspecteur, inspecteur, vite! J'ai reçu un appel urgent, apparemment le suspect a été intercepté. Greg vous attend pour l'interrogatoire, venez vite. Très bien, j'arrive. Ah, ça y est, te voilà. Alors... il va falloir nous expliquer un petit peu tout ça, là. Parce qu'on a pas mal de dossiers sur toi, hein. Alors, t'as quelque chose à dire? Qu'est-ce qui t'avait fait, ce petit, là, hein? Qu'est-ce qui t'a fait? Tu me regardes, là? Oh, regarde un peu, là. Lève les yeux, quand on te parle. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, tes parents? Alors, c'est qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Il a mangé tes sucettes? Il t'a volé tes cheveux violets? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, réponds. Allez! Mais encore, tu veux que je te réveille un peu plus, non? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un coup de pied au cul? Alors, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui t'a fait, ce pauvre gars, là? Pourquoi tu l'as zigouillé? Hein? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Il a mangé tes nounours? Il a touché à ta Game Boy? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, tu parles? Bon, l'avocat... tu vas parler, oui, sale bête! Greg, on doit arrêter. L'avocat est là. Oui, il nous attend juste dehors. Très bien. Oui, entrez. Bonjour, inspecteur. Bonjour, Harry. Asseyez-vous. Je vous remercie. Donc, j'ai ici des nouvelles concernant le dossier. Oui. Alors, il est totalement complet. Il y a notamment l'interrogatoire, les analyses des corps des victimes, et ainsi que des formalités concernant les proches et la famille. Ouais. Ça fait une terrible enquête, Harry. Oui, effectivement, ça n'arrive pas tous les jours. Et Dieu merci. Terrible, terrible. Bon. Donc maintenant, il faut votre accord pour le transmettre. En effet. Allez, Harry, faites votre travail. Je vous remercie. De rien. Et Harry? Oui? Prenez votre semaine, vous l'avez bien mérité. Merci, inspecteur. Allez. D'accord. Je vais transmettre de ce pas. En effet. Allez, Harry, faites votre travail. Je vous remercie. De rien. Et Harry? Oui.
Prenez votre semaine, vous l'avez bien mérité. Merci, inspecteur. Bonsoir, bienvenue au JT de 20h de ce lundi 9 avril. Au grand titre de l'actualité ce soir, le procès de l'affaire du meurtre du couple Hervy a donné suite à la condamnation à perpétuité du jeune suspect qui s'avère être nul autre que leur fils âgé de seulement 10 ans. Sans transition, la SNCF a déclaré ne plus faire de retard et pour cela ils ont promis... Mais qu'avons-nous fait ?